C'est une inscription, c'est plutôt une convention que nous avons signée avec la Fondation du patrimoine. C'est pour donner la possibilité d'avoir un financement participatif, payer une grosse rénovation de l'orgue afin de fêter convenablement ses 20 ans l'année prochaine. Il y a eu une grosse infiltration d'eau il y a 10 ans, donc il y a des tuyaux à changer et une remise à niveau des tonalités pour avoir une meilleure qualité de son. Nous avons besoin de 17 000 euros toute taxe pour financer la totalité des travaux. Et l'entretien annuel d'un orgue comme celui-ci, c'est à peu près 2 à 3 000 euros par an. Nous attendons le maximum. En fait, tout repose sur la communication. J'espère qu'on va bien communiquer sur le sujet et que de nombreuses personnes pourront participer et abonder le montant participatif. Sur le territoire de la commune de Suippes, c'est vrai que le pôle musical est très développé. Donc ça démarre à partir du CE2 jusqu'en CM2 avec des classes orchestres. Ça se poursuit au collège. Nous avons une école de musique, nous avons une union musicale, nous avons la chorale, la sopia. C'est vrai que le monde musical est très représentatif sur le territoire et nous voulons que ça perdure pour les générations futures.